et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je vais vous parler de ceci. Vous l'avez vu dans mon dernier haul action. C'est vendu pour une perche à selfie. Et c'est de la marque Maxter. Je voulais vous en parler parce que réellement, pour 3 euros et quelques, cette perche à selfie, elle est vraiment très très bien et elle cache des petites surprises que je vais vous montrer. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Elle est réellement très très bien. Sincèrement, si vous le trouvez à Action, vous pouvez le prendre sans hésiter. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il faut savoir que c'est vendu avec une petite télécommande. Alors, elle est toute petite, hein, la télécommande. C'est avec cette petite télécommande que j'ai mis en marche puisque je filme avec mon téléphone, et donc la petite télécommande, elle se remet dans son petit boîtier. Je vous le mets comme alors voilà. Il ne faut pas me dire que j'y arrive plus quand même. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc le petit bouton de la télécommande. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une perche à selfie qui s'étire. Regardez, je me mets de loin. Donc, elle s'étire de, je vais vous dire ça tout de suite, de 20 à 70 cm. Et ici, vous avez ce cache. Moi, des selfies, j'en fais jamais. Hein. Donc, ici, ce cache, si j'arrive à l'enlever. Voilà, vous avez, ça fait trépied. Voilà, vous avez un trépied. Et donc, dessous, vous avez la tige du selfie, hein, qui est quand même, c'est un petit peu de l'acier. Donc, ça tient bien, j'ai pas de souci. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le poser sur la table, comme ceci. Vous voyez, je vais vous le mettre devant. Vous le voyez pas, mais ça ne bouge pas, donc c'est bien stable. Et j'ai fait plusieurs vidéos avec, et sincèrement il marche très très bien. Ensuite, chose que j'avais pas vu au début, c'est donc l'endroit où on met le téléphone. Donc ça s'étire comme ceci, vous voyez, c'est extensible, vous mettez votre téléphone. Mais ce qu'il y a de bien, vous allez voir, c'est qu'il se règle. Vous mettez votre téléphone et vous pouvez faire des vidéos par-dessus, filmer par-dessus. C'est les vidéos que j'ai faites du diamond painting, parce que c'est plus facile de vous montrer des vidéos que ce soit à plat sur la table au lieu que ce soit de face. Et j'ai eu la grande surprise que ce soit possible. J'allais presque en acheter un autre qui fasse des vidéos du dessus. Et voilà, j'ai eu la bonne surprise que ça fasse des vidéos du dessus. Et sincèrement, ça fonctionne bien. Le téléphone, ça ne bascule pas puisqu'il y a le pied en dessous. Donc, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Et donc, pourquoi cette vidéo? Parce qu'au départ, la télécommande, j'étais pas arrivée à la faire fonctionner. Je disais, bon sang, j'ai acheté ça, ça marche pas, ce qui était dommage. Et donc, j'ai regardé des vidéos sur YouTube qui parlaient de donc cette perche à selfie. Et pour le faire fonctionner, il faut enlever sur votre téléphone le Bluetooth une première fois et trouver donc le petit stick sur votre téléphone. Moi, ça a marché, donc il n'y a pas de raison, si moi j'y suis arrivé, que vous n'y arriviez pas. Donc mon téléphone a bien trouvé le petit stick à selfie, et c'est avec, en appuyant dessus, que j'ai fait démarrer cette vidéo que je suis en train de vous filmer. Et d'ailleurs, j'appuierai sur le bouton ensuite pour arrêter, ce qui évite de faire, vous voyez, d'appuyer sur, voilà, ça évite de faire ça. Et voilà, écoutez, pour cet objet, moi j'en ai été super super contente jusqu'à présent. Après, jusqu'à quand ça va durer, parce que bon, c'est du plastique, hein. Après, ça dépend comment on l'utilise également, mais pour l'instant j'en suis hyper hyper contente de cet objet, et c'est pour cette raison que je voulais vous le présenter plus en détail. Vous voyez, je vais replier, et voilà,
Ici, donc là, à l'achat, je crois que c'était complètement, voilà, c'était comme ça, hein, dans sa petite boîte. Pour moins de 4 euros, je vous le remonte. C'est surtout, voilà, c'est surtout ce côté hyper pratique pour pouvoir accrocher le téléphone qui m'a surtout intéressée et je ne l'avais pas vu au départ. C'est quand, une fois arrivée à la maison, que je me suis aperçue qu'on pouvait faire des vidéos par-dessus, en filmant du dessus, donc super super contente. Voilà, c'était une petite vidéo courte, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et si mes vidéos vous intéressent, et ben encore mieux, à vous abonner, à mettre le petit commentaire. N'oubliez pas également de sélectionner la petite cloche qui vous indiquera les prochaines vidéos à venir. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.